Bonjour, 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 c'est le 1er janvier, bonjour, bonjour, tout le monde est heureux, j'espère. Voilà, bon, alors je vais commencer ma vidéo avec une petite histoire. Aujourd'hui, je reçois un email. Et donc, la personne me disait que pour le décompte jusqu'à 2023, regardez l'heure. Que ça paraissait long, une minute. Mais oui, c'est vrai, une minute peut paraître longue. Parfois. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on attend de cette minute? Si on sait que c'est quelque chose qui va être merveilleux après, donc on est excité. Ou alors si c'est justement une minute longue, parce que c'est quelque chose de triste. Bon, bah. Mais de toute manière, une minute, dépendant de la circonstance, peut paraître longue. Mais maintenant, par rapport à la vie, par rapport aux semaines, aux mois et aux années qui défilent devant nos yeux. Je ne vais pas mentir, hein, c'est encore une nouvelle année qu'on a alors. Mais c'est incroyable comme cela passe vite, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui appartiennent au futur et qui disent, oh oui, bon, ça ne m'intéresse pas maintenant, moi c'est le futur. Mais quand ils sont justement arrivés dans cet avenir, hein, ah, combien d'entre eux veulent revenir dans une date antérieure, hein? Oh, pourquoi pas revenir d'il y a 10 ans? Ça serait bien, hein? Même d'il y a 2 semaines de ça. Ça dépend justement de notre vie, de ce qu'on attend. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on attend même, c'est comment notre vie se déroule, surtout. Et je voulais rajouter une petite note. Peut-être que beaucoup d'entre nous sont devenus très impatients de nos jours. Voilà, alors je voulais juste parler de ça comme ça, mais je vous souhaite de toute manière une très belle année. Pour moi, j'imagine que mon année sera spectaculaire, donc il faut y croire. Alors je vous envoie les mêmes énergies positives. Voilà, parce que déjà quand on y croit, on est déjà à la moitié ah, de là. Et puis après, bon bah, ah, faut jouer des tours pour y arriver, on va dire. Bonne santé. Et puis, j'espère que vous resterez sur ma chaîne. Voilà, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup sur cette chaîne parce que je favorise ma chaîne d'anniversaire. Enfin, mes 2 chaînes d'anniversaire. Parce que bah, il y a plus d'abonnés dessus, alors je me dis qu'il y a peut-être une chance qu'un jour que j'y arrive. Ah bah oui, il faut y croire dans la vie. Hein. L'espoir fait vivre. Hein. Bon, bien, sur ce, une année merveilleuse pour vous. Au revoir!